Salut à tous. Pour quand on dit époque médiévale, on pense à des musiques sombres, à la musique d'église et compagnie, bref, quelque chose de pas très festif. Que nenni, pour prendre des termes un peu anciens. Je vais vous parler d'un groupe d'origine toulousaine qui s'appelle les Compagnons du Gras Jambon, qui sont spécialisés dans une musique médiévale, festive et endiablée, pour reprendre leurs propres termes et leur site internet. Voilà. Déjà, on sent que c'est de la lourde. Donc j'avais connu les Compagnons du Gras Jambon et leur premier album qui s'appelait The Gralbum. C'est celui-ci. Voilà, The Gralbum, sorti en 2015, avec une présentation à la dans nos BD. Et avec, quand on sort le CD, les deux mascottes, voilà. Marc Porcel et Pique d'Ours. Pique d'Ours, voilà. Déjà, on voit bien les affiliations, un peu dirons-nous, coquines. Donc, c'est du chant en latin médiéval, en vieux français, parfois en vieil allemand. Donc, c'est très très bon. Si vous ne connaissez pas, vous avez toujours la page Bandcamp que je vous mettrai dans le descriptif pour que vous puissiez écouter. Deuxième album sorti en 2017, c'est The Fatam Gang. Là, cet album est un peu moins gay à mon goût, mais il y a beaucoup plus de chants nordiques, des chants vieux suédois, vieux norrois, mais surtout les sons latins. Mais c'est un excellent album aussi. Et là, on voit qu'ils se sont fait plaisir au niveau de la présentation. Voilà, je mets devant. Voilà. On voit quand même que c'est du très beau boulot et que ça justifie l'achat de galettes justifiées, spécifiées. Voilà. Et bien sûr, toujours Marc Porcel. Et là, on a les photos du groupe avec, par exemple, Frère Vic, le chanteur. Bob, qui est un des percussionnistes du groupe. Axel Eyef, lui, apparemment, c'est un instrument à cordes qui joue, du sistre, donc je crois que c'est un instrument à cordes. On a Picadou, qui est aux instruments avant et à percussion. Et pour finir, on finit avec Perkim, qui est la seule femme du groupe, mais qui ne s'en laisse pas compter apparemment. Donc l'album est très bon, les deux sont très bons, et je vous conseille d'écouter celui-là. Bon, par contre, on ne peut pas l'écouter sans l'avoir acheté, c'est ça qui est le problème. Mais la piste bonus, complètement déjantée, et c'est un excellent album. Donc, si vous ne connaissez pas les Compagnons du Grand Jambon, je vous mettrai dans le descriptif leur site internet, le lien vers leur chaîne YouTube. C'est du pur sucre. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao!